Hama Amadou, candidat à la présidentielle du 27 décembre 2020. Son parti, le Modern Fall Lumana Africa, a entériné sa candidature ce 19 septembre au cours du 3e congrès ordinaire du parti à Dosso, au sud-ouest du Niger. Investi, l'ancien président de l'Assemblée nationale et ancien premier ministre du Niger a rassuré ses militants regroupés à l'arène de lutte de la ville qu'il sera leur porte-flambeau au cours des élections à venir, malgré les obstacles sur son éligibilité. J'aimerais répondre à ceux qui disent que je ne serai pas candidat. Eh bien, pourquoi je ne le serai pas? Je ne le vois pas. Premièrement, il faut être Nigérien. Mon père est né à Yuri, je suis aussi né à Yuri, donc je suis Nigérien. Deuxièmement, il faut jouir de ses droits civiques et politiques. Il n'y a aucun juge qui m'a enlevé ces droits-là. Tahirou Seydou dit Park 20 a été élu président du Modern Fall Lumana. Il remplace ainsi Hama Amadou à la tête du parti après ses déboires judiciaires suite à sa condamnation à un an de prison dans l'affaire des bébés importés. Hama Amadou a été élevé au titre d'autorité morale du parti par les 799 délégués venus au Congrès afin qu'il puisse agir au nom du Modern Fall Lumana Africa. Les élections, c'est bien. Pensant que nous n'allons pas participer, le pouvoir a mis en place une CENI non consensuelle. Nous irons aux élections, je l'annonce officiellement aujourd'hui, et nous allons les battre par les unes et avec vos voix. Le premier tour de la présidentielle couplée aux législatives aura lieu le 27 septembre 2020, suivi du second tour le 13 février 2021. À moins de 3 mois des élections, plus de 25 candidatures ont été enregistrées. Hama Amadou aura donc face à lui, entre autres, l'ancien ministre de l'Intérieur Mohamed Bazoum, candidat au titre du parti au pouvoir, le PNDS Taria.